11 nouvelles opérations pour un montant total de 182,32 milliards de francs CFA. C'est la bonne nouvelle de la 135e réunion du conseil d'administration de la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, tenue le lundi 26 juin 2023 à Abidjan. Cette réunion était présidée par Serge Ekwe, président du conseil d'administration de la banque, qui s'est dit satisfait du bilan de 2022. La banque est restée active sur tous les fronts identifiés par notre plan ou dans notre plan stratégique Djoliba. Ce plan est structurant et il structure notre positionnement et permet à nos économies, l'économie de nos États membres, slash clients, de se stabiliser et de prospérer. Ce bilan dynamique émane et atteste de la qualité des travaux de ce Conseil. Les décisions sont prises ici, la validation de nos dossiers est prise, cette validation est prise ici. Alors à cet égard, je vous prie d'agréer et de recevoir ici très sincèrement mes remerciements pour votre engagement et votre expertise. Ces 182,32 milliards portent à plus de 7 milliards de francs CFA, le total des engagements, toutes opérations confondues, de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976. Ces projets ont été salués par les membres du conseil d'administration qui ont félicité la BOAD pour sa contribution au développement de la région.